Et c'est parti, salam à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous sur le live, j'espère qu'on m'entend bien, j'espère que tout va bien, bienvenue à tous ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont sur Twitch, ceux qui regardent la VOD, etc. N'oubliez pas, comme d'habitude les gars, nouvelle aventure dit nouveau let's play, logiquement, enfin je verrai bien si ça plaît ou pas. Comme d'habitude, un casque ou des écouteurs, ça vous plaît. Si vous voulez vraiment vous être dans l'immersion du jeu. Là, il y a zéro musique, hein, c'est normal si vous n'entendez rien. Donc Resident Evil 0, les gars. Resident Evil, je pense que je vais pas vous présenter la licence, hein, je pense que tout le monde connaît. Mais en gros, c'est un peu horreur survive horreur, je sais pas comment ça se dit. En tout cas, c'est un peu original parce qu'on joue deux personnages, on peut contrôler deux personnages, c'est compliqué. Moi, je suis pas trop un fan des Resident Evil. J'aime bien, mais voilà. Mais celui-là, je sais pas, il m'a intrigué. C'était un jeu qui est sorti en 2002, je crois. Mais là, il a été remasteré justement sur PlayStation 4. Me jugez pas si je suis nul, les gars, c'est normal. Nouvelle partie. On va faire un normal. Resident Evil 0. A midwestern town in America, Raccoon City. A solitary island far off in the sea, Rockfort Island. An island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the mansion incident. Là, on est dans Resident Evil Origins, les gars, les origines. C'est les origines de Raccoon City. Do you think so too? Yeah. Ouais, vous attendez pas à des graphismes de fou, mais ça reste un remake, hein. C'est quand même pas mal pour un jeu qui sort en 2002. Hein. Ok, ça commence déjà, les gars. On dirait Final Fantasy, les gars. Ça me fait penser à des Final Fantasy, la musique et tout. J'irais vraiment Final Fantasy, les gars. La musique, tout, c'est. Je sais pas si ça a été inspiré, peut-être un petit clin d'œil. 2 heures plus tard, au-dessus de Raccoon City. Ok, ça, c'était la bande-annonce, les gars. Non, on va jouer elle, du coup, Rebecca, je crois, elle s'appelle. Engine failure. Emergency landing. Check the current position and investigate the surrounding area. Okay. Captain, look. Ils sont déjà transformés, les gars. Bon, apparemment, c'est le sort de gars là qui était sur la montagne. Hein. Captain. What happened? Gaz sur la montagne qui a l'air de. Court order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old. Court-martialed and sentenced to death July 22nd. Prisoner is to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers.
They were good men just doing their jobs. And that scum murdered them. Apparemment, c'était un convoi militaire. All right, everyone, let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. Bon, là, ça, on est toujours en cinématique. C'est déjà intéressant. J'espère que je vais pas trop galérer, les gars. Ok, apparemment, ça s'est passé ici, les gars. Elle rentre tout seul, je comprends pas. Est-ce que j'ai pas entendu, mais ils sont en train de se séparer? Les soldats avec elle, ils viennent pas. Bizarre. Il n'y a plus de retour possible en arrière. Ok, ça veut tout dire, les gars. Ah ouais. Oh, ça va, c'est bien fait quand même pour un jeu. Par contre, les gars, les touches et tout, je connais pas encore. Hein. Je vous le dis direct. C'est un jeu, comme je vous ai dit, qui date de PS1 ou PS2, je crois. Oh, il est hyper bien fait, par contre, je m'attendais pas à ça. Je pensais vraiment qu'il allait être plus moche que ça, mais... attendez, où est-ce qu'on va, les gars? Je sais pas du tout. Restaurant, car... Je connais pas les touches, les gars. Ok. Ouais, c'est à l'ancienne, hein. Mais ça me manque, les jeux comme ça, les gars. Par contre, je sais pas où on était. This is Officer Chambers from Stars Bravo team. Please identify yourself. Is someone there? Ils sont déjà transformés en zombies, les gars. Elle est stylée, Rebecca. Merde. Comment on fait, les gars? Oh, ça commence déjà. Ok. Oh, c'est chaud déjà. Je m'attendais pas à ça, les gars. Y a aucun tutoriel. Ouais, on est où là? Ok. Donc nous apparemment... Attendez, je vais tenter. Ok, il faut viser comme ça. Ah ouais, c'est chaud. Viser en bas, viser en haut. Ok. Faudra s'y habituer, les gars. Faudra s'y habituer, on va bien voir. J'espère qu'ils réapparaissent pas par contre à chaque fois qu'on sort. Attendez. Il y a un étage là, les gars. Merde, il y a un zombie. Il y a un zombie. Ok, ils réapparaissent au final. Faut que je... Dans Resident Evil, faut pas gaspiller ses balles, les gars. Le câble est inutilisable. On va prendre l'objet, oui. Il y a un téléphone ancien et couper le câble. Semble à des œufs, une flaque de glu géante formée autour. Ok. Schéma de temps par chef, accompagnement de la première classe. Ok, on peut pas passer, les gars. Ok. En haut, il n'y a rien du coup. On va redescendre. On va redescendre tranquillement. Ah, du coup, je suis deg qu'il réapparaît ces zombies finalement. Trois balles ou quatre, les gars, pour tuer quelqu'un. What, il est pas mort, les gars. C'est chaud, hein.
attendez, la carte c'est comment? C'est L2. Apparemment, on peut pas y aller. C'est fermé. On va recharger, les gars. Ça va être chaud avec les balles, hein. Ça va être hyper chaud. Let's go. J'espère qu'on m'entend bien et que le live, enfin le son du jeu, il est bon aussi. Qu'il n'y a rien au-dessus des autres. L'inverse commence à tourner, la pluie torrentielle. Je kiffe déjà, les gars. Je pensais pas kiffer à ce point-là, mais j'aime bien l'ambiance et tout. Ça me rappelle vraiment les jeux PS1, mais avec des graphismes PS4, quoi. Et regardez, c'est quand même beau, hein. Pour un jeu sorti en 2002, les gars, ça fait 20 ans. Hein. 78, il y a un truc là-bas. Je suis sûr que ça va servir ce code, les gars. Enfin, je crois. Hein. Oh là là, attendez. Il n'y a rien par la fenêtre là. Ah, il y a une porte. Il y a plusieurs chambres, les gars. J'ai peur qu'il y ait des zombies dans chaque chambre. Ok. Il n'y a rien d'utilisable. Sur pistolet, les gars. Pauvre homme a dû être attaqué dans son sommeil. Son corps est recouvert d'un liquide gluant. Ok. Il y a un papier, les gars, on va le lire. Journal d'un passager. Le 14 juillet, le patron a donné des ordres aujourd'hui. Apparemment, nous sommes chargés d'enquêter sur les ruines du laboratoire des montagnes Hartley. Nous sommes divisés en deux groupes. Mon groupe, le premier des deux, va d'abord inspecter ce qu'il reste de l'expérience qui a été abandonnée le 16 juillet. Malheureusement, la production de tests de l'arme bio-organique a dû être interrompue en raison de l'enquête. Idem pour le type 139. Nous en avons. Encore si peu sur les en savons si peu encore sur les réactions virus T des crustacés, il reste tant de recherches patientes à mener. Selon les espèces et les conditions d'élevage, des doses infimes de T provoquent des changements remarquables en termes de taille, de résistance, de multiplication, de toxines et de développement cérébral. Si ces effets pouvaient être contrôlés, nous pourrions produire une arme prodigieuse. Le développement brutal de carapace entraîne nanani. Bon, il y a beaucoup de choses à lire. Hein. Je vais passer ça, les gars. Je vous laisse mettre pause sur la VOD. Ok. En général, dans les jeux comme ça, faut lire, les gars. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air important. Vous demandez combien de temps cela va durer. D'accord. Il n'y a rien dans les poches. Il faut tout fouiller, les gars. Il faut appuyer croix partout. Il y a souvent des trucs à fouiller. Répétez 5 fois. On a signalé. Ok. Il n'y a rien, les gars. On va regarder ici, 201 encore, c'est la même? Je crois qu'ils sont trompés sur le numéro, j'ai pas fait gaffe. Ok, la musique elle a changé les gars. Ruban d'encreur, ça sert à quoi ça? Ok, on va regarder le menu les gars. Examiner. À quoi ça sert, je comprends pas. Utilisez sur une machine à écrire pour sauvegarder votre progression. Ah, d'accord. D'accord. Et ça, du coup, attendez, mélangeur, examiner. Un kit de mélange de préparation de médicaments. D'accord. Ça n'a rien à faire. Ok, donc on peut sauvegarder apparemment grâce à ces. Je survole un peu, je vous laisse mettre pause comme d'habitude. Je la ferme depuis des années. Ok, la suite est manquante ou illisible, d'accord. En tous les cas, si on doit revenir dessus. On a deux herbes vertes, les gars. Bon, il n'y a pas de sauvegarde auto hein, dans ce jeu. Ah, on est obligé de sauvegarder manuellement. Hop. À toujours faire deux sauvegardes, les gars, c'est la base. Ah oui, c'est vraiment à l'ancienne, les gars. On va enregistrer, les gars, deux fois. Toujours deux fois, on sait jamais s'il y a une sauvegarde qui est corrompue. À l'ancienne, je faisais ça. Donc on va faire pareil, les gars.
Voilà. Par contre, j'ai des touches, mais ça a l'air de fonctionner pour l'instant. Ok, il y a des vestes là. On peut pas les prendre, pas apparemment. Après, il faut se mettre dans un certain angle pour fouiller le truc, donc c'est pas grave. Regardez ici, les gars. C'est stressant quand même parce que la caméra elle change tout le temps. J'appuie croix partout, les gars. On sait jamais s'il y a des trucs à fouiller. Les bagages sont éparpillés dans le compartiment. Ok, on va regarder cette pièce, les gars. Ok, ici c'est fermé, les gars. Bureau du contrôleur. D'accord. Lecteur de cardboard va sans doute s'ouvrir si vous utilisez la bonne carte. J'ai pas de carte. Peut-être lui qui l'a, non ? Corde de cet employé de train était brutalement démembré. Il tient quelque chose. D'accord. Clé du train. On va la prendre. Ah merde. Derrière toi, frérot. Enfin, s'arrête. Ah bah c'est le prisonnier, les gars. Billy. Lieutenant Cohen. So, you seem to know me. Been fantasizing about me, have you? You're the prisoner that was being transferred for execution. You were with those soldiers outside. Oh, I see. You're with Stars. Par contre, Rebecca, je vois pas c'est laquelle dans les prochains Resident Evil. So, I'm afraid our little chat time is over. Wait, you're under arrest. No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Ouais, c'est quoi ça, les gars? Edward, are you all right? Ah, mais c'est un pote, Edward. Oh, il a sauté par la fenêtre. Oh, il se transforme, les gars. Rebecca. The forest is full of zombies and monsters. Zombies and monsters. Oh non, il y a des petits chiens, les gars, c'est le pire truc ça. Oh non, je vais l'affronter. Oh, je suis en panique, les gars. Oh, j'arrive pas. Ok. Oh, il y en a un autre. C'est chaud de ouf, les gars. Oh, j'étais pas prêt, hein. Oh, je suis... J'étais pas prêt, les gars. Il tient quelque chose. Ok. Une sorte de pistolet, les gars. Attention, c'est marqué. Attendez, c'était fermé. On sauvegarde, les gars, on va re-sauvegarder parce que... Ah, je vais déjà mourir. Hein. Écrit bureau du contrôleur. Est-ce que si on peut utiliser une clé ou pas ici? Ok, ça marche pas. Attendez, on va combiner ça. Ok, mélange d'herbes. Normalement, c'est une herbe rouge que je dois trouver, les gars. Je sais pas si ça a marché, mais... Ok, là, il faut une terre de cartes. Ok. On va chercher... Ça va être chaud, les gars. Si ça sort des vitres comme ça, là, j'étais pas prêt. Ah mince. On va quand même sauvegarder, les gars, parce que... C'est déjà... Ah ouais, j'ai bien fait de pas faire en difficile. Hein. Resident Evil, déjà que c'est pas... Ça n'a jamais été facile, les gars. On va sauvegarder. On va garder la première sauvegarde au cas où. Non, attends, c'est pas celle-là. Voilà, écraser les données de sauvegarder. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Moi, ça va, je suis dedans pour l'instant. On verra bien avec la suite. Bon, pour l'instant, ça me plaît. J'aime bien, je sais pas, j'aime bien l'univers. Ça change, ça me rappelle les anciens jeux, du coup, je kiffe.
Ça manque les jeux comme ça, là, la Dino Crisis et tout. Là, c'était. Ok. Ok, je pense qu'il faut retourner. Je sais pas si on est obligé de tuer tous les zombies là. Attendez. Là, il faut retourner du coup tout droit. Il faut aller dans le compartiment. Ok. Ici on peut pas utiliser les clés, non? On va examiner les gars, toujours examiner dans Resident Evil. Il y a toujours des indices souvent. Ok, 704 dining car. Ah ok, c'est les clés du restaurant du coup. Dining, c'est le restaurant. Enfin le. Ok. C'est les trucs du dîner là, je sais pas comment ça s'appelle. Le wagon du restaurant quoi. Bon, let's go, hein. Let's go, let's go. Ah. This is Rebecca, over. Enrico! Hello! Can you read me? Please respond. Rebecca, I can hear you. Now listen up. We've obtained detailed information. Okay. Ah ouais. 23 people. 23 personnes. Elle est en panique là. Elle a des beaux yeux en tout cas. Enrico, Captain. Hello? Hello? C'est une débutante en plus celle-là. C'est une bleusaille. Comme ils disent dans. Il y a un truc. Par contre, je sais pas, comme j'ai dit tout à l'heure, je sais pas c'est qui Rebecca dans les Stars après, plus tard. Je confondais avec. Donc là, c'est fermé, les gars. Ok, ça va. La jeter, oui. On va jeter la clé, les gars. Ok, c'est parti. Oh non, il y a un zombie qui s'est arrêté derrière moi. Je l'ai vu au dernier moment, les gars. Je l'ai vu au dernier moment. J'espère que. Du coup, il a tué 23 personnes, l'autre. Ok. On va en bas ou en haut? Pas mal. It's gonna be dangerous from here on in. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train. And I, for one, want to get out of here. I don't think we stand a chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. Ils me veulent du mal. Alright, The name is Rebecca Chambers, but that's all. Oh, je voulais le lancer en difficile. Well then, j'ai réfléchi. Je dis attends, Resident Evil, c'est pas trop mon jeu. Je suis pas très fort dessus. J'ai lancé en normal. J'ai bien fait, gros. Juste envie que contre des chiens, gros, ils allaient me tuer, gros. Du coup, j'ai pas suivi ce qu'il m'a dit. Avis au supérieur. Hein. Bon, du coup, dans ce jeu, il faut lire, les gars, parce que c'est important. Hein. Des fois. Il est demandé au superviseur chargé de fermer le wagon restaurant de désactiver les portes automatiques après s'être assuré que la totalité du personnel a quitté la voiture. Interrupteur de la porte automatique principale se trouve sur le toit de la voiture 5. Qu'il faut pas qu'on oublie ça, les gars. Les inspections auront lieu au dépôt, la voiture 5. Une fois les inspections terminées, empruntez l'échelle à l'arrière du niveau 2. Ok, ça je connais. Ambré la corps, service d'entretien. Ok. Donc la voiture 5, les gars. Je sais pas on est quelle voiture là, mais. Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here? Pourquoi il me laisse tout seul? Non, viens, t'inquiète. Est-ce qu'on va en haut ou en bas déjà? Attendez. Staff only. Ok, là c'est fermé. Ça on connaît déjà. Tac, on va monter. On va essayer de faire vite du coup. On va finir le gars là. Qui allonge ses bras là. Tac.
Ok, ça on va passer les gars. Ah, il meurt jamais les gars. Ah c'est bon. Ça en passe les gars, on a déjà vu. Je vous évite les cinématiques pour rien. Heureusement on peut passer hein. J'appuie start pour passer, enfin option. Ok, ça on a déjà vu, on passe. Ok. Du coup on va s'échanger les deux objets les gars. Tac. Échange possible. Comment on échange? Équiper. Échanger. On va échanger contre... pistolet. Je sais pas contre quoi on peut échanger les gars. Euh, 3000 de débit, ok. Est-ce qu'il donne un couteau ou pas? Ah, ça on va garder ça. On a quoi comme clé là? On a rien. Ok, il n'y avait rien ici les gars. Il faut qu'on aille avec le gars les gars. Il faut que je contrôle Rebecca, il faut que c'est Rebecca qui tombe. Il faut que c'est elle qui tombe dans le trou. Voilà, là c'est elle qui tombe les gars. Hop. Gardez l'émission de pistolet. Ok, là on connaît déjà. Ça, c'est la clé les gars. Ok, il faut un truc pointu, il faut que je revienne avec le truc pointu avant de monter les gars. On va refaire la même scène. Hein. C'est un objet ici, oui. On va mettre la clé. Ok, on va changer de personnage, les gars. Mais attends, depuis quand le train il a redémarré les gars? Ah, c'est le bruit qu'on a entendu tout à l'heure je crois. Je crois que c'est le bruit qu'on a entendu tout à l'heure parce que je crois que le train il était à l'arrêt les gars, non? Quand Rebecca elle est montée, il était à l'arrêt. Ça ne peut pas monter autrement je pense. Hein. C'est parti, on va redescendre les gars. Cache personnage qui vous plaît, essaye de d'innover, de changer de jeu, en plus ça n'a pas tout le monde qui l'a. Enfin il n'y a pas tout le monde qui fait des let's play dessus. Ok, là, ça a l'air de fermer aussi. On va refaire les scènes pour avoir la carte, attendez. Voilà, comme ça là on sait que c'est fermé.
Ok, là c'est fermé aussi. Est-ce qu'on donne le couteau à Rebecca? Faudrait qu'on utilise le moins de place possible. Moins de place possible, il n'y en aura pas de place les gars. Faut pas que je prenne la mallette. Ok, on peut pas mettre dedans les gars. Faudrait que je speed, ouais. Bon, en vrai, on prend juste le petit truc, le petit bouton et... Ah merde. Faut juste que speed... Tac. Je prends juste le petit bout, les gars, l'embout pointu, là. Je reviens ici. Je prends Rebecca avec moi. Et on l'extermine, hein. On extermine le boss. Elle m'a fait peur lui. Non, je me suis trompé. Ok, j'en ai tué un qu'un. Ok. On va prendre quand même. On va sauvegarder les gars avant pour pas qu'on recommence tout ça encore. On va se dépêcher. Parce que j'ai recommencé pour rien au final, je suis mort bêtement. Hop. Merde, c'est pas ici, je crois, je me suis trompé de porte. Je sais pas, c'est ici, attendez. Je sais pas du tout, c'est ici. Non, c'est pas ici, il faut retourner en arrière. Je crois. Ok, il y a un mort là. Ah, c'était pas ici, les gars. On va essayer d'être rapide. Parce que le gros monstre là, il faut le tuer au fusil à pompe et il faut être deux, je pense. Si on n'est pas deux, c'est mort. Cette sorte de scorpion bizarre là. On va se garder. Pas faire la même erreur. Quoi? Il y a une machine à écrire. Si vous avez un ruban encreur, vous pouvez sauvegarder. Ah d'accord, ça utilise un ruban. Oh là là, ça je savais pas les gars. Ah ça sert à ça les touches. C'est-à-dire qu'on a, on peut pas sauvegarder plusieurs fois, d'accord. Ah ouais, c'est chaud les gars, je savais pas ça, ça rajoute de la difficulté de ouf. Il faut sauver Rebecca, hein. On va essayer de prendre l'objet pointu et après on sauve Rebecca. Et après avec Rebecca, on essaye d'aller d'aller sauver l'autre là, enfin d'aller tuer l'autre. Du coup, faut pas que je prenne les herbes ici, là, attendez. Message du contrôleur, j'ai besoin de clé haute. Ok. Ouais mais attendez, si je prends l'herbe... Ça sert à rien que je prends l'herbe parce que lui il peut pas les combiner. Ouais d'accord. Tac, ok, j'ai la carte. C'est où que j'avais ramassé l'objet pointu les gars? C'était là non? Ah, faut pas que je ramasse la mallette, attendez. Parce qu'il y a un fusil à pompe en haut. Voilà, appuyez sur l'interrupteur. Ah, mais c'est chaud en fait, faudrait que je calcule le fait que... D'accord. Attendez, bon bah on va aller affronter le truc les gars. Ça va être chaud mais on va essayer. On n'a pas le choix je crois. Il faut que je prenne en priorité le fusil à pompe. Parce que sinon j'arriverai jamais. Et voilà.
Ah ouais, il va sauter dessus, les gars, attendez. On va mettre le pistolet. Équipé, voilà. On sait jamais, hein. Tac. Il n'y a pas un truc pour augmenter nos ressources. Doit avoir un truc pour augmenter les emplacements dans l'inventaire. J'ai peut-être raté, hein. Ça, c'est quoi, ça? Ah, c'est ça l'objet pointu, les gars. Attendez. On va pas le prendre. On va pas le prendre. On va prendre direct le fusil à pompe. Puis on reviendra avec Rebecca. Bon, on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix, je crois. Là, on va prendre le fusil à pompe direct, les gars. Hop. Fusil de chasse. D'accord. Ça, c'est un truc pour sauvegarder. Ça, on garde là. On va prendre le gros truc là. Non, c'est pas ça que je voulais prendre. Ah, si, c'est bon, c'est ça. Munition pour fusil. Alors, attendez, on va regarder la place qu'on a. Ah, ouais, on a plus de place déjà. Équipé. On a que 2 balles combinées avec ça. Oh, ça va être chaud, hein. Ça va être très très chaud. Attendez, hop. J'ai bien fait de pas prendre de. Oh là là, je sais pas comment on va faire, les gars. C'est-à-dire que je dois tout recommencer si je meurs là encore. Oh là là, j'ai pas envie. J'ai pas pu sauvegarder du coup. J'ai pas envie. Il faut que je réussisse, les gars. Mais il est intuable, le gros boss là. Il est intuable. Sais pas comment on fait pour le tuer. Bon, on va essayer, hein. Ah, il vient pas. Pourquoi il vient pas? Ah, j'ai fait n'importe quoi, je crois. Du coup, je peux pas échanger des objets. Attendez. Me suis trompé, je crois. Comment on fait? Ah, ok, il faut que je prenne le petit. Ça, on va combiner avec ça. Bon, au final, je peux pas, je suis bloqué avec l'autre là. Il faut que je fasse quoi? Il faut que je donne des munitions de pistolet à Rebecca, que je revienne encore. Ok, je vais revenir, je vais prendre un bouton de sauvegarde. Apparemment, attendez, est-ce qu'on peut prendre le truc déjà? Est-ce qu'on peut prendre. Pas qu'on peut le prendre, hein. Je crois qu'on a plus de place. Ok. Bon ben, let's go, hein. Au moins, on peut revenir en arrière sans forcément. J'ai donné un bouton de sauvegarde, il y en avait en haut, mais. Ah ouais, c'est chaud, les gars. Il faut faire des allers-retours au final, sinon c'est impossible. Ah ouais, c'est impossible. Comment je fais, moi? Oh là là. Je sais pas pourquoi je reviens du coup ici. Si je pourrais le prendre. Je vais faire des allers-retours pour rien. Let's go. Attendez, il y a un interrupteur là, non? Oh non. On va rusher direct. Tu m'auras pas, frérot. Tu m'auras pas. Je sais plus ce qu'il y a à l'étage, les gars. Il y avait un truc à l'étage, je crois. C'était bloqué, il me semble. Hop. On revient au restaurant, les gars. On va pas les tuer pour rien, ça sert à rien. On va pas user des balles.
essayer de donner des trucs à Rebecca. Par là. Je vais donner des trucs, hein. Les heures de service. Ok. On va placer pistolet. Qu'est-ce qu'on place? Attendez. Non, on va pas, faut pas donner le pistolet. Qu'est-ce que je fais, moi, les gars? Je fais le con là. Attendez. On va redonner le pistolet. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, les gars. Il va redonner le pistolet, on va. Qu'est-ce qu'on peut lui donner aussi? Ça va être impossible, les gars. Je suis en train d'y repenser, mais. Qu'est-ce qu'on peut donner? Attendez. On essaie de prendre le pistolet déjà. Prendre. Faut voir combien de munitions a le fusil. Après, si on peut gérer avec le fusil. Mais si j'ai plus de balles avec le fusil, c'est fini, quoi. Qu'on peut donner, attendez. Tac. Et ouais, c'est ça le problème. On a que 2 balles de fusil au final. Non, mais qu'est-ce que je fais? Oh là là. Maintenant. On va prendre l'objet. Prendre. On va y prendre munitions de fusil. Qu'est-ce qu'on peut donner, les gars? C'est ça que. Désolé, hein. Qu'est-ce qu'on peut donner? Passer un objet ici. Oui. On a pas le choix de donner pistolet, en fait, hein. On peut rien donner. Comment je fais, du coup? Ça, le problème. Vais pas le mettre dedans. 15 balles de pistolet, ça suffirait ou pas? C'est compliqué, hein. Compliqué, compliqué. En plus, il a pas de soin. Je crois que c'est mort, les gars. J'ai fait n'importe quoi. Hein. Je sais pas comment le battre. J'ai plus de place. Comment je fais? J'ai 4 places et le fusil à pompe il prend 2. Je peux rien faire en fait. J'ai pas le choix de mettre le. Voilà, je suis en train de faire un plat. C'est la panique, c'est la panique. C'est la panique. Comment faire? Faudrait que j'arrive à sortir d'ici. Bon bah tant pis, hein, écoutez. Tant pis, on va poser un truc. On est obligé de poser quelque chose, hein. Parce que sinon on pourra pas prendre le petit objet. Je comprends pas comment ils ont pu faire ça en fait. C'est parti, les gars. Hein. Ouais, ok, c'est parti. Parti, c'est parti. Affronter l'autre boss là. Et regarde par la fenêtre les zombies maintenant. T'aurais d'admirer la vue tranquille. Ça va être chaud, les gars. Je sais pas comment battre le gros là. Ok, lui ça va, il me rate à chaque fois. Je sais pas du tout comment battre le gros, les gars. Très très chaud, hein.
J'ai dû rater un truc qui augmente ma valise, les gars, je sais pas. Hein. Faudrait que j'ai un truc qui augmente la mallette là, mais. Parce que mon sac à dos il est plein là. Soit j'ai raté un truc. Ok. Peut-être rater un truc au final, mais je crois pas. Tac. J'ai raté quelque chose quelque part, mais en tous les cas, pour actionner le boss, il faut que je prends le truc là. J'ai pas le choix, voilà. Et là, du coup, ça va actionner le. Il n'y a pas un sac. Faudrait un sac, les gars, attendez. Un truc qui augmente la capacité de l'inventaire. Parce que là, c'est nimp. En soi, je peux pas revenir en fait. Ok. Ok, on peut rien prendre. Hein. Finalement, on peut rien prendre. Ok. Let's go. Hein. On va essayer de battre le boss. Je sais pas comment on va faire. Hein. On va utiliser coup de fusil à pompe. Normalement, c'est avec le fusil à pompe. Si le mettre là, c'est pour ça. Je comprends pas parce que si on aurait les herbes plus. Désolé. Si on a les herbes plus les. Les herbes plus la mallette qu'on remasque, comment on aurait pu. Ah ouais, c'est impossible, les gars. Les gars, c'est impossible. Impossible. Je sais pas comment faire. Il est trop fort. Je vais recommencer 1500 fois, les gars. Je peux pas. Hein. Je peux pas, je peux pas. Après, je sais pas comment il est résistant le Billy là, mais impossible de le battre. Attendez, j'ai combien de vie là? Ah bah non, en fait, il est résistant de ouf encore. Mais. Ah ouais, mais j'ai plus qu'une balle. Hein. C'est fini pour moi, les gars. J'ai plus qu'une balle, c'est ça le problème. On va prendre ça. On va prendre l'objet. J'y arriverai jamais, hein, je sais pas comment le battre. Oh, je mets des coups de fusil, il meurt pas aussi. Oh, c'est juste le tout premier boss et j'arrive pas déjà, les gars. On peut rien faire, je sais pas, il doit avoir une astuce. Une astuce pour le battre, je sais pas. Je réfléchis. Ah, j'ai plus de balles, ouais. Faut que je fasse quoi? J'ai plus de balles. Équipé. J'ai plus de 15 balles, les gars. Je comprends pas ce qu'il faut faire, les gars. Je me fais défoncer. Il faut tirer en dessous, les gars. En fait, faut tirer de ça, de son crâne. C'est bon, j'ai compris, mais il faut que je recommence. Attendez, j'ai plus. Faut que j'utilise le spray. Ah, j'ai qu'une balle, c'est terminé pour moi. Allez hop, on va recommencer encore une fois. Pire jeu ever.
Oh, il est mort ou pas? Oh yes les gars. Incroyable, c'était ma dernière balle. Oh, tu meurs ou tu meurs pas là? Ok. Incroyable les gars, c'était ma dernière balle. Attendez, je vais prendre le... Je vais revenir en arrière, je vais prendre le truc. Il y avait un truc de sauvegarde, je vais le reprendre. Oh là là, incroyable, j'y croyais pas les gars. Ah ouais, c'est chaud en fait, faut lui péter sa carapace et faut tirer de sa tête. D'accord. Ouah, j'ai compris ça vers le milieu du combat, mais oh, j'ai eu tellement chaud. Oh, c'était ma dernière balle, t'imagines? Si je la ratais, c'était terminé. Enfin, s'il mourait pas, c'était fini. On va prendre ça pour sauvegarder. Hop, ruban ancreur, comme ça quand on retourne, on sauvegarde. Ah ouais, c'était chaud de ouf les gars. Très très chaud, j'espère qu'il n'y a pas de boss qu'au retour, faut sauver Rebecca. Tout ça pour un objet pointu quoi. C'est quoi ça? Bienvenue au salon, un moment de détente. Ouais bah oui, un moment de détente. Putain. Si tous les boss sont chauds comme ça les gars, c'est fini pour moi. Hein. C'est fini pour moi. Hein. Allez, let's go. Oh, j'ai peur qu'ils renaissent les gars. Oh, y a un truc là, c'est quoi? Vous pouvez pas transporter ces objets. Ouais, mais c'est quoi ça? Ils mettent 500 objets, mais je peux pas les prendre. Ok. C'est pas grave, on va retourner voir Rebecca. Il faut la sauver d'abord. Puis on reviendra chercher les objets, les gars. Donc là, hop, on va speeder. Par contre, j'espère qu'il n'y a pas des chiens loups-garous là, je sais pas quoi là. Enfin, des chiens zombies ou d'autres zombies là. Parce que je suis pas prêt, moi. Je suis pas là pour souffrir, ok? Je suis pas là pour mourir, les gars. Laissez-moi tranquille. Est-ce qu'on sauvegarde au retour ou pas? Non, on va sauvegarder maintenant, tant pis. Du coup, là, à chaque fois, on utilise une touche. On va sauvegarder dans le deuxième. On utilise les sortes de boutons là pour machine à écrire pour sauvegarder. C'est ce qu'on a ramassé tout à l'heure. Ok, let's go. Hein. Il faut pas oublier tous les trucs qu'on a ramassé aussi. Hein. Parce qu'il y a plein de trucs que j'ai laissé au final. J'ai pas ramassé. Quoi, zombie les gars. Ah, lui il m'attend au calme les gars. Ouais, je me suis fait bouffer les gars. Il m'a mangé. Ok, c'est parti. On va donner le truc à Rebecca pour qu'elle s'en sorte. On va donner ça à Rebecca. On va échanger avec Rebecca. Ok, on va lui donner... qu'est-ce qu'on peut lui donner? Ah ben non, on peut rien donner. On va renvoyer vers le bas. On va changer de personnage. C'est compliqué, hein.
C'est compliqué, il y a plein de choses à faire, mais bon, c'est cool quand même. Mais c'est vrai que c'était chaud, les gars. C'était très très chaud, hein. Premier boss là, j'étais pas prêt, hein. Il faut vraiment réfléchir à comment les tuer. Appuie sur le bouton, oui. Vraiment réfléchir à comment ça. Extension. Là c'est bon, je crois. Faudrait. Hop. Là on appuie sur le bouton. On placer. Voilà, tac. Ça on prend. Voilà. Ça, l'objet pointu, on n'a plus besoin. J'espère que c'est ça, par contre, les gars. Oh là là, je me trompe à chaque fois de touche. Hop. Tac. Voilà, faut utiliser ça, les gars. Voilà, comme ça, on peut ressortir avec elle. C'est vrai qu'il est résistant par contre, Piggy, hein. Tous les coups qu'il s'est mangé. Moi, j'ai un zombie en feu, les gars. On va pas y toucher. Va pas y toucher. Dans le stream, tac. On va rejoindre Billy, les gars. On va s'échanger des trucs. Voilà. On va garder le fusil pour lui. Ça, on va échanger avec elle. Pistolet en vrai, je sais pas comment on fait, hein. Pour l'instant, on n'a pas de balle de fusil, donc ça a rien. Le fusil sert plus à rien, les gars. On va équiper le pistolet. Combiné. Changer. Ah oui, on peut changer le nombre. Ok, on va faire ça à 40-45. Voilà. Ça, c'est équilibré. Tac. Voilà, enfin, on est deux, les gars. Ah, c'est mieux. Par contre, faut que tu t'enlèves Rebecca, s'il te plaît. Fais un effort, s'il te plaît. Let's regroup. Ok. Il y avait rien en haut, je crois, les gars. Attendez, on va regarder la carte. Non, c'est pas ici. Il faut que je m'habitue aux touches, hein. Désolé. Je m'habitue aux touches. Tac, train. En 3, ça c'est le toit. C'est numéro 1. Toit, y'a quoi? On peut pas choisir les. Changer de niveau. Toit, numéro 2. Déverrouiller. Il y a un truc à prendre là-bas. On retourne là-bas. Alors, faut juste que je me rappelle comment changer les rôles de. Tac, changer de personnage, ça ok, contrôler le partenaire. Elle attaque que si on attaque, non? J'ai oublié. On va remonter ici parce que j'ai oublié avec quoi, les gars. J'ai oublié ce qu'il y avait au-dessus.
Let's go. Ouais, on est tous deux blessés, les gars. J'ai mis les coups de couteau, les gars, au lieu d'utiliser mon pistolet. On va retourner ici. On va changer de personnage. Tac, donc il faut faire des soins, les gars. Tac, on va changer de personnage. On va essayer des soins, les gars. C'est bon. On va monter. Attendez, parce que. Elle a pas ramassé de mallette à la base. Attendez. Ok, ça sert à quoi la mallette, les gars? Ok. Il y a deux cavités qui semblent pouvoir contenir des objets ronds. Donc il faut que je fasse un truc, non? On va remonter, les gars. On va remonter, on va remonter. On va reprendre le truc qu'il y avait là-bas, là. Ça sert à quoi, ça? Levier de panneau. Du coup, faut le mettre où, ça? Ça sert bien à quelque chose, on va regarder. C'est pour tirer quelque chose qui est en hauteur, du coup, mais... Faut voir ce que ça donne, les gars.
Ok, y a rien du tout ici. Faut retourner à la base. Plus rien à faire ici les gars. Plus rien à faire ici. Plus rien à faire, mais la manette, je sais pas à quoi elle sert. Je sais pas du tout où aller au final. Ah, c'est peut-être pour la trappe là qu'il y avait à la cuisine, enfin je crois. On va voir. On va sauvegarder, je pense, avant de continuer, comme ça on est sûr de pas recommencer tout quoi, sinon c'est chaud. Sauvegarder, c'est important. Tac. C'est le gars parce qu'il est plus fort les gars. On va peut-être tirer l'échelle, faudra voir. Après les zombies sont infinis là, j'ai l'impression. Direct. Ok. Peut-être que là l'échelle, non? On va retourner là-bas. On va essayer de voir. Ce qu'on peut faire d'ici. C'est chaud hein. Ok, là on peut rien faire. Elle est blessée. Il faut le panneau du coup, non? C'est elle qui l'a. Voilà, c'était ici. Attends, c'était juste pour ça, sérieux? Oh là là, t'aurais pas pu le tirer à la main, genre? Entrer dans le vide sanitaire. Go les gars. Il faut soigner Rebecca aussi, on a plus de soins.
recharger. Tac. La 30 balles. À quoi ça sert les... Attendez, j'ai un truc en trop là. C'est la mallette, on va échanger. Échanger avec elle. Hop. Voilà, on va recharger directement. Hein. Oh non, il y avait un truc, les gars. J'ai raté un objet, attendez. Faut que je retourne en arrière. C'est quoi, attendez? Pas le prendre, c'est ça le problème. Quoi ça sert avec dans des sens? Les gars, il y a trop de trucs à trouver. C'est quoi ça? Un anneau d'or, prendre. Je comprends pourquoi il se suit pas. This way. Okay. Okay. Faudrait trouver le... Qu'est-ce qu'il faudrait trouver? Le bidon de sang, je pense que ça sert à cramer les sortes d'œufs qu'il y a, les gars. C'est quoi ça encore? Il y a trop d'objets, les gars. Mais comment on fait pour tout transporter? Je comprends pas. Attendez. Oh, mais on a trop de trucs. Attendez. Si on combine certains trucs, attends. L'anneau, peut-être que ça sert à combiner avec la mallette, non? Ok, ça sert à ça, les gars. Faut trouver deux mallettes. Vide, c'est à quoi la bouteille vide? C'est à remplir un truc. Apparemment, oui, il n'y a rien, je crois.
Faudrait aller là. Il y a peut-être un truc à faire. Non, il n'y a rien. Essayer de monter en haut là. Je pense que les bidons incessants, ça va servir à cramer les trucs là, je crois. Ah, c'est des cocktails Molotov, ok, d'accord. Bouteille, cocktail, ah ouais, c'est. Faut tout combiner, les gars. Il faudra tout combiner, sinon c'est compliqué. Hein. Par contre, il me faut deux places. J'arriverai jamais à avoir deux places, les gars, pour le grappin. Comment je fais pour avoir deux places? Faudrait que je laisse un pistolet. Attendez, j'ai une idée. On va échanger ça. Voilà. On va garder une mission de fusil. Mon couteau, on va le donner. Soit nous, on garde les cocktails et. Je pense qu'on va prendre le cocktail et le. Et le couteau. Et on va laisser le grappin à elle du coup. On va faire ça, on va voir. Hein. Je sais pas à quoi ça sert le grappin, mais. Je pense que ça sert à quelque chose. Peut-être ça sert à. Ah merde les gars, j'ai oublié un truc. Bon, c'est pas grave. J'ai oublié de cramer les œufs là. J'ai oublié de cramer les œufs qu'il y a au sol. Pas grave, on va prendre le grappin. Tac. J'espère qu'ils réapparaissent pas en tout cas parce que c'est horrible. Voilà, c'est bien la technique d'équipe là les gars. Faut activer avec l'autre, là on change, hop. Cas insuffisant de toit difficile, l'accès à l'étalage de trains spéciaux. Rangez-le après utilisation. À l'extérieur de la fenêtre de la porte du niveau 1. Michel. Près de la porte du niveau 1 dans la voiture 3. Ok. Ok, c'est pour passer au-dessus de l'échelle, les gars. This way.
Ça sert à du coup à monter sur l'échelle qu'il y a là où il y a la fenêtre. C'est parti. Voilà. Avant tout, il faudra brûler quand même les trucs là qu'il y a. Je pense qu'on avance trop vite peut-être. Attendez. Il faudrait que je sauvegarde aussi. Là, ils ont dit quoi, la voiture numéro 3? On a quelle voiture là? Niveau 2, voiture numéro 3, on peut pas savoir. Ok. On va essayer de cramer ce qu'il y a en haut. Si ça marche, sinon, je sais pas si ça sert à. Attends. On va essayer, si ça marche pas, c'est le cocktail. Je sais pas si le cocktail c'est juste fait pour les zombies et tout pour les boss. Ou c'est fait justement pour cramer les trucs. Pour ça là. On va essayer. Ah bah apparemment c'est juste une arme les gars. Je sais pas si ça marche, attendez. On va tenter un truc. Ok, ça marche pas les gars. J'ai utilisé un cocktail pour rien. Pas grave, on a essayé un cocktail pour rien, les gars. On va essayer de monter du coup ici. On va équiper autre chose, tac. On va équiper le pistolet quand même. Si on peut utiliser avec le. I'll go. Okay. Come on. Yeah. Ok. Ok. Utiliser. On peut pas. Attendez. Ah si c'est pour ça les gars. C'est une bague. Ah mince. Oh, c'est un couteau, les gars. Oh, on peut rien transporter, c'est saoulant. On peut rien prendre parce que. Ok. Montez les gars parce qu'il faut l'aider je crois. Je pense qu'il faut l'aider. Ça faudra qu'on sauvegarde. Équiper ça hein, pour l'instant.
Il sert plus à rien le grappin du coup aussi. Je sais plus s'il sert à quelque chose les gars. On va quand même sauvegarder ici. Puis soit on va reprendre le cocktail, mais attendez. Enregistrer, hein. C'est important. Voilà, comme ça on se débarrasse du bouton, les gars. Voilà, on va reprendre le gars. Parce que logiquement, il est plus fort, hein. Il est plus résistant que Rebecca, mais. Rebecca elle est plus la soigneuse. J'essaie de monter aussi les gars. J'essaie de monter ici là. Parce qu'il y a le. On a peut-être le grappin, peut-être qu'il sert à quelque chose. On va monter là là. Je sais pas s'il sert le grappin, on va essayer. On va juste regarder le manuel du grappin. Il sert qu'une seule fois ou pas? Ce sont des toits difficiles qu'accès ou à l'étalage de trains spéciaux rangés-leur pour utilisation. Ok. Bon, pour l'instant, on peut l'utiliser qu'une fois, on verra bien. On va récupérer le cocktail du coup, les gars. Ah non, c'est Rebecca qui doit le récupérer. Tout objet est bon à prendre, les gars. Hein, parce que si jamais il y a un boss, au moins on le crame et tout. S'il donne des cocktails, c'est pas pour rien. Je sais plus si c'était ici. Non, c'était pas là. C'était là. C'était là, les gars. Au moins, on peut passer par en haut pour éviter les zombies. Du coup j'en ai utilisé deux pour rien les gars, au final je suis deg. Là il y a un truc ou pas? Ok. Let's go hein. C'est reparti, on va redescendre. J'espère qu'il me suit le train. J'ai fait un 3-6 les gars, je sais pas si vous avez vu. 3-6 no scope. C'est parti hein, du coup, let's go. Il n'y avait rien au-dessus. On va passer la carte là. Mettre la carte. Voilà. Ok, on peut la jeter les gars. Il y a un garde, les gars. Understood. This does not make any sense. Understood. How was the T-virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. Quoi? How far away are you from the nearest train? Ah ouais, il s'en fiche complètement de Rebecca. About 10 minutes, dude. What happened? Ah!
non, en plus c'est des soldats blindés. C'est sûr qu'ils vont nous attaquer, les gars. Ils vont se faire transformer, ils vont nous attaquer. Regardez. Let's go, hein. T'es sûr qu'ils sont de côté. Ah, ça va être chaud. Ah bah non, ils nous attaquent pas, les gars. Par contre, ils vont détruire le train, il faudra qu'on... Il faut qu'on fasse vite. Il faudra qu'on le stoppe, je crois, les gars. À l'arrière, il y avait le truc de frein d'urgence, là. Le train line, le derail, le crash. I gotta stop this thing. Et comment on fait ? Du frein, commande du frein. Voici les trois étapes préalables à l'utilisation du frein. Activer les commandes. Les commandes en frein se situent dans les endroits suivants. Voiture 1, compartiment du conducteur. Arrière de la voiture 5 pour activer le système. Insérer la carte magnétique dans l'appareil de la voiture 5. Ceci alimentera en électricité les deux dispositifs de commande. Arrière de la voiture 5. Ok. Les codes d'unité arrière. Oh, c'est chaud, les gars, j'ai rien compris. Hein. Qui reste en arrière? I'll go over to the back deck and manipulate the control panel for the brake. Then you apply the brake from here, okay? All right. Billy. What? Be careful. Yeah. Je me dépêche, les gars. Pas le temps de me fight contre ça. Je me dépêche par là. Je passe direct en haut. Je rush direct à la porte, je descends l'escalier, je passe le truc. Ah ouais, c'est tombé. Faut que je fasse plein de trucs, les gars. Allez, let's go. On a 3 minutes. C'est chaud quand même, 3 minutes, hein. C'est pas assez. Hein. Faut que je réfléchisse déjà, les gars, à 67. Ah, pour le 80, faut que je réfléchisse. Tac. Je descends, je prends direct la porte. Voilà. On trace, on trace, on trace. Faut que je fasse vite avec le code. Ah putain, les gars. J'ai pas prévu ça, les gars. Je me dépêche. 3 balles de pompe, il est pas mort quand même. Hein. C'est chaud. Hein. Oh là là. Ça stresse avec la musique et tout, ça stresse les gars. J'ai perdu trop de temps avec les calculs là. Je suis nul en calcul. Enfin, surtout stressé comme ça. Faut que je fasse vite. Je calcule le nombre de trucs qu'il y a et... Je regarde... Ah merde, faut que je me dépêche.
29, 18, 27, 36, 45, 59, 6, 65, 74. Ah, oh, j'ai fait non. Attendez. 3, 4, 5, 6, 7. 7. 8. 2. 7, 8, 1. Il faut que je fasse 7, 8 et 1. This is Billy. I've engaged the control device for the break. Over. 7 fois 9. Roger, I'll put the break on now. J'ai compris la technique, les gars. Ah merde, c'est 36 ça. 1. C'est 8. 8. 16. Plus 4, 20. 20, 21, 22, 23, 23 plus 4, 27, 27, 28, 29, 29, donc il me manque 7, non? Yes. C'est bon, j'ai trouvé. Okay. C'était chaud quand même, hein? Ouais, je réfléchis au calcul en même temps. Parce qu'il faut pas trouver le calcul directement. Ok, donc le train c'est terminus, les gars. Il est mort, Billy, ou quoi? Réveille-toi, Billy. On a raté les balles qui étaient dans le compartiment, les gars. Mais bon, j'ai pas pris le risque de le prendre, parce que... I'm here. Are you alright? Hey, we managed to stop the train. Yes, we managed. We have to find a way out. Ouais, bah terrible le système de frein, les gars. Au final, on se mange un pet. Déjà, les gars. Ça, c'était chaud, ça commence déjà. Oh. On a dû ramasser les balles qu'il y avait au sol tout à l'heure. Mais j'ai peur de perdre du... temps. On est où, les gars, dans un bateau là? Ah non, c'est horrible, les gars, les trucs comme ça. S'il y a des trucs dans l'eau, je suis pas bien. Hein. Monter, hein. On a plus de balles de pompe, on n'a pas beaucoup de balles de pistolet. On va voir, hein, ce que ça donne, les gars. Ok, on est dans un manoir cette fois-ci. C'est déjà mieux que le train. Stars. First general manager, Dr. James Marcus.
Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. Hmm, what about the male? I'm unfamiliar with Attention! This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train, too. What? Revenge. On Umbrella. Ah, c'est encore lui, les gars. Le gars qui chante l'opéra, là. C'est déliré. On dirait Sephiroth. C'est lui qui contrôle les trucs en chantant. Ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? Ok. Je sais pas de d'où ils nous espionnent eux, par contre. Attendez, parce que là c'est hyper grand là. Let's split up. Roger. Come on. Okay. Oh là 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 là. Ok, on vient d'ici nous les gars. On vient d'ici. Ok, encore une sauvegarde les gars. Voilà, on va sauvegarder déjà où on est, comme ça on est déjà arrivé dans le manoir. Regardez les deux parties. Hein. Tac. C'est bon. Attends, on a combien de. Ah merde, on avait trois, je crois, des rubans. Oh, c'est pas grave. On va regarder le manoir. Ok. Donc là, c'est fermé, les gars. Fermé, on va regarder la carte. Ok, il y a un objet là. Ça a l'air d'être immense, hein. Ok, niveau 1. On va voir ce qu'il y a ici, les gars. Ah oui, j'ai un cocktail, mais ça, je l'ai pas lancé finalement. Ouais, mais il est trop chaud, les gars. Je le sens pas trop, lui. Quoi? Pas compris. La porte est verrouillée, mais il n'y a pas de serrure. Une horloge est gravée sur la partie supérieure. Ok. Encore lui! Attendez, les gars. Chaud lui, hein. Oh, ils étaient chauds, hein. Pas le choix de les affronter eux. C'était chaud, hein. Même en cramant, il faudrait plusieurs cocktails en fait.
Attends, faudrait que je donne le soin à lui là. Changer. Tac. Faudrait que j'utilise ça avec lui. Ok, c'est soigné, combiner ça avec ça. Ça on va échanger avec elle. Voilà, comme ça on a de la place avec les deux. Ok, il faut des bouteilles les gars. Il faut des bouteilles. Encore ? Ah non, c'est bon. Ah non, c'est bon les gars, c'est bon. On va laisser dans les toilettes lui. Je savais pas qu'il y en avait deux les gars. Vous abusez là. Vous abusez de ouf. J'aime bien tout fouiller mais là c'est abusé. Déjà j'ai toutes mes balles pour eux là. Je vais pas là-bas du coup, hein, c'est mort. Hein. Il y a trop de zombies. En fait je voulais fouiller partout mais j'avais vu que c'est un jeu ça, tu fouilles, tu tombes sur 25 zombies gros. Ah ça je m'attendais pas à ça, il y en avait 8, comment tu gères tout ça? Ouais c'est trop grand, c'est trop grand. Attendez. La porte est verrouillée depuis. La porte est verrouillée mais il n'y a pas de serrure, une horloge est gravée. Et re, t'avais un coffre et des points de... Ouais mais il n'y a pas là. Je sais pas, dans celui-là, il y a peut-être pas gros. Pour l'instant, j'ai pas vu. En fait, vu que t'as deux personnages, du coup, t'as deux emplacements, tu vois. T'as deux trucs, mais il y a pas de coffre ici. Ça, c'est le zéro, c'est le tout. C'est le... Normalement, c'est le tout premier. C'est avant le 1 et tout. Oh, il y a pas de bruit là. Il n'y a pas de coffre, en tout cas, pour l'instant, j'ai pas eu de coffre. Bah, je peux laisser par terre, donc au final ça change rien, tu vois. Je laisse par terre et je reprendrai quand je passerai pour sauvegarder. Oh, j'entends des oiseaux, c'est bon, on va se faire attaquer par des oiseaux zombies là. La vie à toute personne, les documents sont très vieux et quasiment illisibles. Les équipes travaillant sur les vaccins et les agents. Ces deux réunions sont, ces deux réunions sont classées niveau de sécurité 5. Oh, il faut que je retienne tout ça. Ouest, niveau 2, sud-est. Le code d'accès est 8-15. Ok, faut pas que j'oublie ça. 8h15. Du coup, ça c'est pour ouvrir les portes avec les horloges là. Ça sera quoi ça? Manivelle. On va prendre. Hein. Ah, c'était sûr! Allez hop, on couvre, allez hop! C'était sûr! Y'a plus rien à fouiller, je me casse, juste pas mes balles. Juste pas mes balles gros. Ok, donc là. Oh y'a trop de trucs à faire là. Sa beauté frappante mais son visage ne trahit aucun signe de bonté. Ok. Ça sert à quoi ça? Quand le bien et le mal s'équilibrent, un nouveau chemin s'ouvre devant vous. Ok, il faut mettre deux objets dessus, les gars. Attendez, est-ce que j'ai des objets? Manivelle sert pas à ça, je pense pas. Attends, elle est. C'est quoi la statue là? Ok. Donc là, c'est fermé de l'extérieur. Je peux pas régler l'horloge là? Normalement c'est 8h15 la réponse. Peut-être pas ici. Ok, on est obligé d'aller en bas. Attends, non, là c'est la salle des corbeaux. Attends, j'ai une manivelle au final, j'ai oublié. Ah mais à la porte là encore j'ai pas faite. Attendez. Ah, c'était quoi? C'était verrouillé. Et si je mettais la manivelle ici là? Il n'y a pas de serrure, ok. C'est peut-être là. Hein. Non. On est obligé d'aller en bas je crois.
Attends, je vais voir si là c'est plus safe que d'habitude. Mais là, t'as des pièces de sauvegarde, mais t'as plus le coffre à côté. Ok, y a des trucs là. Rien que pour les stagiaires. La génération d'employés Umbrella. Discipline, ces trois mots résument les principes qui doivent suivre les employés. Ok. N'oublie jamais ces mots consacrés totalement à votre formation. Ok, c'est que c'est important. Discipline, obéissance, unité. Il y aura un truc à faire avec ça. Discipline, obéissance, unité. En plus, il y a les caméras. Ah, enfin, des balles de pompe. Comme par hasard, j'ai posé mon pompe. Mais bouge là. Ah, j'ai posé mon pompe, ils m'ont mis des balles de pompe. Ok. Ouais, je vais activer un truc. Il y en a 25 qui vont sortir. Petit système nécessaire pour activer le redémarrage. Ok. Pas de disque. Il y a encore une sauvegarde là-bas, je crois. Mission pour fusil. Pour fusil, on va les prendre. Pas sauvegarder ici, ça sert à rien. Regardez tous les tableaux, peut-être il y a des indices. Ouais, j'ai pas le choix d'aller où j'étais en fait. Hein. Quoi, il y a une autre porte là. Oh, il y a trop de portes. Attendez, j'ai regardé la carte parce que je suis perdu. Sauvegarde, niveau 1. Ok. La porte là, elle est fermée à ce qui paraît. On va passer, frérot. Ah, ok, c'est là où on était tout à l'heure quand elle est morte. La porte est fermée de l'autre côté. Ok. On va voir où ça donne. Encore une pièce de la mort. Moi, j'ai passé le premier acte. Merde. Oh, j'ai réussi à tirer la tête. Je sais pas comment on fait, tire dans la tête. Merde! Tire, frérot! Il faut, je crois, un couteau pour le terminer. Ah merde, il est mort déjà. Ok. En plus, on peut pas tirer dans la tête, je crois que c'est au hasard. Attends. J'ai oublié que je l'avais mis en passif, elle. Pourquoi elle a pas attaqué? Elle a pas de balle ou quoi? Attaque, équipe. Mais si elle a des balles, elle m'a laissé mourir quoi. Attends, on va changer. Attends, je suis perdu là. Hop. Ok. Déjà plus de balles les gars. Ça met nous là-bas. Oh, y a que des portes partout. Let's split up. Okay. Come on. Roger. Yeah. Zéro musique là. Ok, là ça mène où là? Ça mène la pièce là-bas. Ça a l'air fermé, attendez. C'est fermé, je crois. Le symbole de feu, ok. Ah, je m'engouffre. M'engouffre dans l'enfer, gros. C'est un abysse. Oh, enfin une carte. Oh là là. C'est trop grand. Niveau 3, niveau moins 1. Ok, j'ai tous mes objets, ils sont là. Je sais pas, je suis où moi. Attends, je suis là. Porte à droite, elle est fermée.
Ouais. Ok. Oh, c'est trop silencieux, il y a encore un truc qui va apparaître là. Oh, c'est quoi ça encore? Ah, c'est la manivelle, attendez. Je vais la poser comme ça au moins. On se débarrasse de l'objet. On aura de la place. Ah d'accord, c'est-à-dire que je peux descendre que moi tout seul. Il faudrait un qui utilise la manivelle pendant que l'autre... attendez, là il y a un truc. C'est quoi ça? Prendre l'objet microfilm. Ah, c'est quoi ça? Cherche dans des bases de données. Ah mais je suis bête, attendez. Une bougie s'est consumée, est-ce que je peux l'allumer? J'ai un briquet. Je comprends pas, c'est quoi le truc échangé là? Et c'est quoi? Vous pouvez changer le costume de votre personnage. Ah ouais, mais ça c'est cool ça. Attends, on va changer. Oh, il est stylé! Oh, il est pas stylé comme ça? Il est stylé de ouf! Regardez les gars! Attendez, je vais faire pareil avec Rebecca. C'est vrai que j'avais pris des trucs gratuits. J'avais oublié ça. Échange, tac. Changer, utiliser. Eh ouais, les gars, j'avais oublié. On met Cowgirl ou on met. Attends, Stars 2002. Cowgirl, pas ouf. On va mettre comme ça, il est plus stylé. Voilà, ils sont 100 fois plus stylés, les gars. J'arrive pas à le soulever. Ok. Hop. Rechanger de personnage. Y a que Rebecca qui peut y aller, les gars. Ah, je sais pas ce qui va se passer en haut dessus, mais on va se faire soulever, je pense. En plus, on est tout seul. Wouah, j'étais pas prêt! Meurs! Meurs! Meurs, s'il te plaît, meurs, non? Wouah, c'est fini pour moi! Oh putain, c'était chaud, hein? Oh, il meurt pas. Wouah, c'est une blague! C'est une blague! Mais toujours plus! Wouah, je me fais soulever, les gars! Oh non, je vais tout recommencer. Mais allez hop, c'est ciao, c'est terminé! On va arrêter là, je crois. Pire jeu, pire jeu!